Monsieur Abdelaziz Yari, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Alors, dans son discours d'investiture, le président de la République a déclaré ses engagements pour l'Algérie, un discours programme, un programme pour la nouvelle République. Des experts l'ont qualifié de véritable plaidoyer pour une sortie des crises. C'est un discours de rupture. Oui, je crois qu'il y a quand même suffisamment d'éléments à retenir dans ce discours pour dire vraiment que c'est un discours de rupture avec le passé. C'est bien de ça qu'il s'agit, une rupture avec le passé. Et vous trouvez en moi quelqu'un qui est extrêmement ouvert à ça, puisque c'est ce que je plaide maintenant. Vous êtes bien informé comme journaliste depuis des années que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle de l'histoire de ce pays, pendant un cycle pendant lequel la destinée du pays a été prise en main par les leaders et en politique issus de la guerre de libération nationale. C'est fini pour des raisons évidentes, biologiques et physiologiques. On rentre dans une nouvelle phase. Il faut savoir effectivement amorcer ce grand tournant dans l'histoire du pays, savoir bien le faire. Jusque-là, effectivement, nous vivons ce tournant. Jusque-là, disons que les choses se sont déroulées de la meilleure des façons possibles pour un pays qui appartient à notre sphère culturelle, historique. Et je crois que il est temps justement que le pays se dote d'une personnalité qui sera en charge de faire face à ces changements, de mener ces changements en ayant la légalité, la légitimité qui s'impose. Et effectivement, il était temps qu'avant la fin de l'année 2019, on puisse avoir un président de la République qui prend en charge cette et qu'on sorte de l'ambiguïté, de la situation ambiguë dans laquelle on était quand il s'agissait d'un état de droit. Là, vraiment, et je crois que dans ce discours qu'il a énuméré, en tout cas, moi je suis heureux, parce que j'ai entendu ça et là, les discoureurs habituels, penser que c'était une priorité. Bien sûr que c'est une priorité que de faire le changement de la Constitution. Comment voulez-vous qu'on change de système, qu'on fasse évoluer un système, qu'on réforme un système, si on ne va pas à la loi fondamentale? Si on ne touche pas à la loi fondamentale, c'est comme si on a l'intention de rien bouger. Donc c'est très important, à mon avis, cette déclaration. Déjà, c'est un point extrêmement positif. Mais d'abord, il a appelé aussi à l'unité de tous, quelles que soient leurs tendances, leurs divergences, leur idéologie, à dialoguer, discuter et construire main dans la main la nouvelle Algérie. Je reprends ses propos. Toutes les revendications exprimées par les Algériens seront prises en charge depuis le début du mouvement populaire. La priorité, c'est le dialogue pour mettre fin à la crise politique qui dure depuis maintenant 9 mois, bientôt 10 mois, monsieur Ziyari. Bien entendu, je ne vois pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue. Ce qui est revendiqué, ce qui a été exprimé par les Algériens pendant tous ces mois, je crois, est suffisamment clair et éloquent dans ces grandes lignes. Maintenant, il s'est engagé effectivement à écouter toutes ces revendications et à y répondre. Reste maintenant la mise en forme, et le dialogue servirait à cette mise en forme. Parce que je crois que sur le fond, les choses sont dites, les choses sont... Après, maintenant, restera les divergences qui peuvent être de nature économique, idéologique ou autre, mais ça fait partie de la vie de tous les jours. L'essentiel pour nous, c'est justement de ressouder le tissu social et populaire, parce que, comme vous avez certainement remarqué, il y a quand même une coupure dans le pays. Il y a aujourd'hui, nous sommes trouvant, et nous ne voulons pas rester dans cette situation, d'un pays qui est coupé en deux, que ce soit sur des bases politiques, que ce soit sur des bases régionales ou autres, mais il ne faut pas que cela se passe. Ça, c'est... Et la tâche n'est pas facile, la tâche est tendue. C'est pour cela que le dialogue, comment voulez-vous qu'on ressoude ce tissu politique et social dans le pays s'il n'y a pas de dialogue, et choisir les bons interlocuteurs et ceux qui ont une représentativité réelle et qui ont le souci réel du pays et de la nation. Mais la confiance est un socle important pour aller vers le dialogue. Bien essentiel, sûr, rétablir cette confiance perdue. Absolument. Rien n'est plus difficile que ce rétablissement de la confiance. Et je comprends que cette confiance soit une confiance perdue. Que voulez-vous quand des millions d'Algériens
voient leurs dirigeants par dizaines devant des tribunaux qu'ils ont gérés, leur ont fait confiance pour gérer le pays pendant des années et des années, je comprends que l'Algérien d'aujourd'hui devient extrêmement sceptique s'agissant de ses dirigeants. Et rétablir cette confiance ne peut se faire que pas en donnant la preuve par les faits et par les actes. Et je n'ai pas de raison de douter de la volonté de ce nouveau président de le faire. En tout cas, ce qu'il a annoncé, je crois à mon avis, répond en tout cas. Tel est mon avis, hein, je prends mon avis. Je vous le dis, je serai pas honnête de dire autre chose, puisque c'est ce que j'ai prôné déjà avant qu'il ait le Hirak, et quand j'étais encore dans proche du pouvoir. Donc nous allons maintenant, il faut que aussi ses interlocuteurs lui donnent le temps et l'aide, au contraire l'aide, parce que les résistances à l'intérieur de la machine politique, de la machine du pouvoir, vont exister, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que le nouveau président, s'il veut mettre en place toutes les réformes qu'il promet, doit avoir un soutien franc et massif du maximum de personnalités, du maximum de citoyens. Mais il a annoncé aussi une refonte globale de la Constitution. Que faut-il revoir dans la Constitution actuelle et comment assurer le rééquilibrage des pouvoirs? Et est-ce que ce rééquilibrage passe indéniablement par la limitation des prérogatives du président de la République? Il ne doit pas être le président de tout et de rien, comme il l'avait annoncé, M. Tebboune. Oui, absolument. Je crois que c'est ça le fond du problème qui a été toujours évoqué, qui n'a jamais été résolu. C'est que la séparation des pouvoirs doit être une réalité et que chacune des institutions telles que prévues dans la Constitution et chacun des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, exerce ses missions de façon indépendante, qu'il y ait des contre-pouvoirs réels qui ne gênent pas dans l'exercice de la mission de l'exécutif. Il ne faut pas non plus des mécanismes qui bloquent en permanence l'action de l'exécutif, surtout dans la situation économique où nous sommes actuellement, mais où il y a de véritables contre-pouvoirs qui empêchent les dérives que nous connaissons. Et puis cet exécutif qui est là dans le judiciaire, à travers le Conseil constitutionnel, à travers le Conseil de la magistrature, cet exécutif qui est là dans le législatif avec le tiers présidentiel et un président du Conseil de la Nation qui, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, dont il a été décidé qu'il devait être du tiers présidentiel, ce qui n'est écrit nulle part, mais qui est devenu dans les faits. Donc vous voyez un exécutif qui a un pied dans chacun des pouvoirs. Comment voulez-vous qu'il y ait séparation des pouvoirs quand il y a dans une situation pareille un président qui en même temps ministre de la Défense? Pas de raison, ça n'existe plus. Le dernier pays où j'ai vu ça, je crois que c'était dans le sultanat de Brunei. Et effectivement, ce qui permet effectivement à chacune des institutions d'avoir assumé au niveau de la part de ses différents responsables les missions et de ses membres les missions qui leur sont données par la Constitution. C'est bien ça. Et de fait, laisser jouer les institutions élues, que ce soit au niveau de la PC, que ce soit au niveau de la PW, au niveau de l'Assemblée nationale, les missions de contrôle et d'exécution de législation qui leur sont octroyées par la loi en fonction du stade où on est, que ce soit la PC ou l'Assemblée nationale, bien entendu, qui ont des missions très différentes. Mais si je dois reprendre vos propos, M. Ziyali, il faut bannir le président monarque, tout doit se faire avec lui, jamais sans lui, il faut plus de prérogatives pour les deux chambres du Parlement pour exercer leur droit de contre-pouvoir et aussi décentraliser le pouvoir de décision. C'est important permettre aux assemblées élues de fonctionner normalement. C'est vital, c'est important. La démocratie commence là-bas. La démocratie, c'est pas en haut. C'est d'abord que le président de la PC devient le premier magistrat de la commune, comme ça l'est même chez nos voisins tunisiens, nos voisins marocains. Vous savez que là-bas, les présidents, les maires, le président de la PC, comme on dit chez nous, sont des premiers magistrats de la commune, ont des pouvoirs réels, exercés dans la limite, bien sûr,
de ce que leur octroie la loi, des responsabilités très définies, et ils sont responsables devant leur population. En fait, ce dont on va se dire, c'est une espèce d'administration souveraine qui ne répond devant personne en réalité, sauf devant le président de la République d'ailleurs, et qui prend, se donne le droit d'empiéter sur les prérogatives de toutes les autres institutions, et en particulier de toutes les institutions élues. Maintenant, il reste effectivement ce que les partis, j'ai dit, je le répète, la politique, ça, si ça ne se fait pas dans des partis, ça se fait dans la rue ou dans les casernes. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma pour tout ça. C'est ce que nous voyons devant la faillite, je le répète, des partis qui soient d'ailleurs de l'opposition ou de la majorité. Et effectivement, je crois qu'une des priorités peut-être de l'avenir, c'est celle de renforcer les partis dans leur organisation, dans leur présence, dans leur possibilité d'être des structures d'encadrement politique de la population. C'est un élément qui me paraît important dans la journée de demain. Je rebondis par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Zéhari. Vous parlez un peu des faillites des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de l'alliance présidentielle. Est-ce qu'on est face à une reconfiguration de la scène politique aujourd'hui avec la disparition éventuelle de certains partis politiques? Franchement, je ne peux que parler pour moi. Franchement, je le souhaite. Je le souhaite. Si on veut l'Algérie de demain, c'est-à-dire cette Algérie de demain où les Algériens doivent être encadrés à l'intérieur de partis politiques, qui soient réellement porteurs de projets pour des franges de la population, toute la population, etc. Les jeunes, les travailleurs, les agriculteurs, autres, etc. Il faut que nous ayons des partis. C'est là que se fait la politique, c'est elle qui encadre la population, c'est là où s'élaborent les programmes politiques. Ce n'est pas dans l'administration, soyons sérieux. L'administration, c'est fait pour exécuter, c'est fait pour mettre en œuvre, c'est fait pour donner des indications et des renseignements. Et évidemment, ça me paraît vital qu'il y ait ou un regroupement de partis, ou bien de redonner une nouvelle dimension, de redonner aussi, de laisser le parti jouer leur rôle pour qu'il soit crédible auprès de la population. C'est important, ça aussi. Ça ne paraît pas évident, mais il faut effectivement, quand on veut sortir de cette case, quand on veut l'émergence d'une nouvelle, il faut permettre aux partis opposants ou soutiens de jouer leur rôle essentiel, non pas d'être des claques, et des, quand je dis de claques, de faire la claque, des comités de soutien, hélas, comme ils se sont transformés pour certains, sans aucune forme d'intérêt au programme, à leur propre programme politique et à sa mise en œuvre, ou alors des partis qui protestent en permanence, qui sont toujours dans le nini, qui sont toujours à rejeter, qui attendent simplement le moment où on leur fait appel pour venir participer à la gestion. Mais est-ce que, de façon claire, certains qui ont failli doivent disparaître aujourd'hui? Le contexte, est-ce qu'il l'impose, puisqu'on a aujourd'hui le mouvement populaire et la population qui rejette ces partis politiques? En tout cas, ils doivent faire leur autocritique, ils doivent faire leur évaluation, les uns et les autres, et prendre les mesures qu'ils estiment s'imposer. Je ne peux pas me mettre à leur place, je ne peux pas. Mais il me paraît aujourd'hui évident qu'il y a une remise en cause sérieuse. Bon, vous savez bien qu'il y a des partis qui ont été fabriqués. Hein. Bon, dans cela, effectivement, qu'on puisse. Ils ont une mission. Alors, est-ce que cette mission est achevée ou elle va encore durer? Je ne sais pas. Il y a des partis qui sont là pour le décor. Je ne parle pas uniquement du passé. Hein. Dès la création du multipartisme, je suis bien placé pour le savoir, il fallait bien que le décor se remplisse parce que le pays n'était pas encore prêt à assumer le multipartisme au sens classique du terme, s'organiser dans cette matière. On a eu des périodes difficiles dans les années 90. Donc, il ne faut pas non plus jeter la pierre aux uns et aux autres, mais il faut s'organiser autrement dans l'avenir. Mais pour être clair, de quel parti vous parlez, M. Ablazizé? Que ce soit, je dis bien que ce soit le FLN qui a été, comme vous le savez vous-même, massacré depuis le départ, depuis l'arrivée de l'ancien secrétaire général Saïd Hani
Alors le FLN a été passé au pilon carrément, quoi. C'est devenu vraiment qu'on appelle ça un comité de soutien, tout simplement d'ailleurs, avec, je ne vais pas retourner sur ce que vous savez vous-même. Bon, le RND, qui est, comme vous le voyez lui-même, était un parti d'appoint, en quelque sorte, je ne parle pas des deux autres, qui ont été effectivement les deux aussi actionnés pour donner un peu plus d'espace. Et puis il y a les partis de l'opposition aussi qui doivent également contribuer. Moi, j'ai toujours dit que pour réussir dans ces missions, celui qui est au pouvoir doit avoir en face de lui une opposition forte. Abdelaziz Yari, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on a déclaré dans la première partie. On a parlé de l'éventualité d'aller vers une reconfiguration de la scène politique avec l'éventualité de disparition de certains partis politiques. Mais certains, du mouvement populaire et de la population, considèrent que certains politiques qui ont failli devraient disparaître totalement de la scène politique, à l'exemple du FLN, que vous connaissez bien, puisque vous êtes du FLN, qui devrait rejoindre le musée. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question qui est posée aujourd'hui? Mais madame, je crois que d'abord c'est l'affaire du FLN ou de d'autres partis, c'est l'affaire d'abord de ses militants et de ses cadres, de décider de ce qu'ils doivent faire, de ce parti, et de la politique doit mener ce parti dans l'avenir. Ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas à ses adversaires politiques de décider pour lui ce qui doit être fait, soyons sérieux. Maintenant, vous savez, si nous allons vers l'Algérie que nous voulons, c'est-à-dire la liberté du suffrage universel et le libre choix des citoyens et des compétitions électorales à la fois pacifiques et qui ne soient pas attachées de fraude, c'est aux Algériens, aux citoyens, par leur bulletin dans l'urne, à décider si tel ou tel parti, on ne lui donnait pas, on ne lui accordant pas leur confiance, n'a plus sa place. Quant au sigle, seule la Constitution peut empêcher le FLN de garder son sigle, et donc, de la même manière, c'est donc le peuple algérien, par son vote, qui est amené à en décider. Ce ne sont pas les adversaires du FLN, et quand je dis du FLN, de tout autre parti, qui décide pour lui s'il doit rester ou disparaître. Non, il y a suffisamment de cadres et d'éléments et de militants dans le FLN pour faire leur autocritique, l'évaluation et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour réactiver ce parti. Et moi, je trouve que quelque parti que soit, qui a quand même une base populaire aussi importante que celle du FLN, et qui a une vieille pratique politique qui est bien implantée à l'intérieur du territoire du pays, on ne le fait pas disparaître comme cela, bien au contraire, on devrait l'aider à se régénérer. Et moi, je suis pour ceux qui voudraient qu'il se régénère. Mais justement, par rapport à cette régénérescence éventuelle, mais quand vous avez le président de la République qui déclare la volonté de rembourser et soutenir l'émergence d'une société civile assez forte qui puisse faire le contrepoids, est-ce que c'est une déclaration de faillite des partis politiques? Non, pas du tout. Ou alors il faut les deux à la fois. Pas du tout, bien entendu. Chacun a son rôle. La société civile ne joue pas de rôle politique. En réalité, c'est pour ça qu'on l'appelle société civile. Et puis, il y a des partis qui, eux, ont des programmes de partis, qui vont à des élections, qui vont à des compétitions, etc. Quoi, je ne vais pas refaire la définition des partis. Bien au contraire, on a besoin d'une société civile, c'est vrai. Et malheureusement, la société civile, ça ne se décrète pas. C'est un long travail, c'est en train, il y a de plus en plus de possibilités, il y a une émergence réelle au niveau du système associatif, mais c'est justement, en lui permettant de garder cette qualité de société civile, et non pas de la dévier vers le politique, ou de la caporaliser, qui règle le problème. Bien au contraire, c'est nécessaire, cette émergence de société civile à côté des partis. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'en renforçant par exemple les prérogatives de l'opposition, il y aura un plus grand contrôle sur le travail de l'exécutif pour éviter par exemple les dérapages qu'on a connus ces 20 dernières années ou peut-être même plus tôt, hein, en termes par exemple de détournement, corruption et malversation? Il est indispensable, bien sûr, chaque mission de chaque institution est bien définie, la mission de l'appareil
l'ambition, le pouvoir judiciaire qui est un élément important, et là c'est effectivement c'est une lourde tâche, et je crois que le premier magistrat du pays, n'oubliez pas que le président de la République est magistrat, je crois que l'une de ses missions principales, c'est justement d'être un protecteur du corps de la justice, pour que justement les magistrats ne puissent plus être soumis au dictat du téléphone, comme on le dit, ou de l'autorité, telle ou telle autorité, qu'elle soit locale ou nationale, qui interfère dans les affaires de la justice. Ça, c'est important. Je crois que là, c'est là, effectivement, en tant que premier magistrat du pays, en tant qu'arbitre, celui qui doit prendre toutes les mesures pour protéger le corps des juges des interférences qui n'ont rien à voir avec la justice. Mais il s'est déjà engagé à bannir toute forme d'impunité, à poursuivre la lutte contre la corruption et à respecter les libertés démocratiques. C'est important de poursuivre la lutte contre la corruption pour ceux qui ont détourné les deniers publics, volé l'argent des Algériens. Ah ça, je crois que c'est je rigole parce que c'est vraiment le genre de question qu'on ne devrait même pas se poser. Un voleur, on l'arrête et on le met en prison. Je vois pas ça. Comment il pourrait en être autrement? Ou alors on n'est plus un état de droit, ou alors on devient une espèce, non, soyons sérieux, une espèce de jungle. Bien sûr qu'ils vont continuer, mais c'est les mécanismes, vous savez, c'est les mécanismes qui entraînent, qui permettent la corruption, qu'il faut gérer. Et c'est vrai que l'absence de contrôle, l'absence de contradiction, c'est ça qui ouvre la porte. C'est le fait du prince qui ouvre la porte à la corruption. Mais comment on est arrivé là? Ah ben, parce que, bon, c'est pas la peine qu'on refasse toute l'historique du passé. Je crois que, je le disais au début, ce problème de la République monarchique, voilà, quand le président de la République est malade, c'est la dégringolade, c'est la débandade, et effectivement, on se sent autorisé à toutes les dérives, et vous avez remarqué que, par le temps, où se situe et quand se situent les dérives prouvées, les dérives réelles. On ne parle pas il y a beaucoup de choses qui se disent à droite et à gauche, mais enfin, je parle des faits, restons-en aux faits, comme des faits sont têtus, comme le disait un grand pauvre jadis. Alors, mais au-delà un peu des textes, puisque la priorité aujourd'hui du président de la République, c'est d'aller vers une refonte globale de la Constitution actuelle pour assurer un équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions, oui. L'exécutif, le législatif et puis le judiciaire. Mais au-delà, bien sûr, de ces textes, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, changer de mentalité, ne plus vénérer les personnes, mais respecter l'application des lois dans toute leur rigueur? Ben, vous avez répondu vous-même, c'est quand, effectivement, quand on applique les lois telles qu'elles sont élaborées et qui, elles, justement, je l'espère, vont prévoir cette vraie séparation de pouvoir, ces possibilités et la mise en œuvre réelle des mécanismes de contrôle institutionnel qui doivent se faire sans pour autant devenir un obstacle à l'exécutif. Car je vous le répète, au début, je n'ai pas insisté peut-être, c'est l'économie qui est le véritable enjeu. C'est elle qui va déterminer l'avenir du pays. Vous savez, ou bien l'Algérie peut demain se retrouver très vite, comme l'est aujourd'hui la Malaisie, qui pour moi est un exemple, je l'ai dit répété, d'un pays musulman, d'un pays qui était bien moins avancé que nous, à l'indépendance et qui se retrouve aujourd'hui parmi les dragons de l'Asie, ou bien on se retrouve comme le Venezuela d'aujourd'hui. Et vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres, les malheurs. Hein. Donc là, c'est là où il faut être effectivement extrêmement vigilant et très vite prendre les mesures économiques. Et j'en profite d'ailleurs pour encore prêcher une fois ce que j'ai déjà prêcher un peu un tramuros sans être écouté. Je crois qu'on a besoin d'un grand ministre de l'économie, d'un grand ministère de l'économie et d'un grand ministre de l'économie, et qu'on sorte de ce caprice qui a fait que depuis maintenant de très très nombreuses années, hein, qui remonte d'avant l'arrivée du président Bouteflika, à ce que les premiers ministres s'octroient les prérogatives de ministre de l'économie, ce qui fait qu'en fin de compte, il arrive à faire bien ni les uns ni les autres. Il est nécessaire, à mon avis, il serait temps, en tout cas c'est mon point de vue, bien entendu, que ce grand ministère de l'économie voit le jour et qu'il
prennent à bras le corps, comme on dit, les mesures économiques et les réformes économiques indispensables dont a besoin ce pays. Et est-ce qu'on peut considérer qu'avec les erreurs qu'on a commises par le passé, dont on n'a pas tiré grandement les leçons, on n'a plus droit à l'erreur aujourd'hui, on se doit de réussir, le président se doit de réussir tous les paris qu'il s'est fixés sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, parce qu'il a abordé le franc social également. Absolument, c'est pour ça que j'ai dit que les patriotes, même qui sont dans l'opposition, puissent l'aider à réussir sa mission, cette mission de refondation de l'État algérien, que ce soit dans ses aspects institutionnels, que ce soit dans ses aspects économiques. C'est, je pense, un devoir patriotique. Maintenant, il est évident que chacun, qui est demain, il y aura, je l'espère, une compétition sur le terrain entre ces différents courants de pensée, ces différents choix politiques, pour que les Algériens choisissent en toute responsabilité. Il ne s'agit pas du tout de retourner ni à la pensée unique, ni à quoi que ce soit d'autre. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je prêche. Je dis qu'il faut se mettre tous d'accord pour faire passer l'Algérie de cette transition de l'étape A vers l'étape B de la Première République à la Deuxième République. Mais justement, il faudrait impérativement, sur le plan économique, libérer l'investissement, moins de contraintes, décentraliser la décision, puisqu'il dit « j'apporte tout mon soutien aux hommes d'affaires honnêtes et patriotes ». Il les appelle aussi à s'impliquer dans la construction de l'économie, d'une économie forte. Bien sûr, c'est évident, le secteur privé est un partenaire très important dans le développement économique. Ce n'est pas tous les opérateurs qui sont des voleurs. De par ma culture, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est justement de ne pas laisser ouvert la porte à ceux qui viennent pour la spéculation ou pour toutes les formes de dérives que nous avons pu connaître ça et là. Et je reste encore de ceux qui pensent qu'en matière économique, l'État doit garder des secteurs stratégiques, pas beaucoup, mais des secteurs importants, et qu'il doit aider, et qu'il doit participer avec le secteur privé, dans d'autres secteurs, dans des conditions variables. J'ai vu, il n'y a qu'à voir un peu comment ça se fait aujourd'hui dans un pays comme la Chine, qui ont fait des choix extrêmement pertinents, dans lesquels ils intéressent le secteur privé en fonction des possibilités du secteur, en fonction des possibilités de la région où sont implantées les entreprises, etc. etc. Donc on a des modèles sur lesquels on peut effectivement prendre comme référence en gardant nos particularités. Mais le problème, je vous le dis encore une fois, vous savez, c'est la Malaisie ou c'est le Venezuela. Il n'y aura pas de juste milieu si nous ne prenons pas les décisions qui s'imposent ou ne faisons un bond qualitatif dans ce domaine et on dépasse la phase d'ultra-dépendance des hydrocarbures avec tous les aléas que cela comporte, et on peut aller de l'avant, et nous avons et les hommes, et les moyens, et tout existe. C'est l'alchimie, comme vous voulez, c'est la catalyse ou l'alchimie qui ne se fait pas. C'est simplement ça. Il faut faire cette catalyse pour pouvoir effectivement profiter de toutes les possibilités que nous avons, et sortir le plus vite possible. Et quand je dis le plus vite, je sais que l'impossible n'est tenu, mais je pense que déjà, prendre la voie, il n'y a pas de raison que le gouvernement qui sera formé dans l'avenir aura très certainement ceci comme préoccupation. Alors vous dites qu'il faut prendre les décisions qu'il faut. Le premier test, c'est la composition du gouvernement. C'est important pour les prochains jours, monsieur Ziyari, choisir les hommes qu'il faut. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est les hommes qui font tout, soyons. Je pense qu'à partir de la lumière, de tout ce qui s'est passé, de l'expérience et tout, et je suis convaincu que l'Algérie est très riche en personnalités capables d'assumer ce genre de mission. Et en même temps, choisir les hommes compétents pour faire quelque chose, il faut qu'ils aient la possibilité de faire cette chose-là, cette mission, et de rendre compte de ce qu'ils font, et de ne pas avoir d'interférence en permanence, d'ailleurs que de l'institution présidentielle de laquelle ils dépendent. Voilà, qu'il n'y ait pas de parasitage dans l'activité des hommes compétents. Malheureusement, ça a existé, à les demander
un certain nombre de mes anciens collègues, pourquoi ils ont quitté le gouvernement, pourquoi ils ne sont plus au gouvernement. Donc voilà, c'est ça. On prend des hommes et on leur fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Et on leur donne les moyens de leur politique. Alors justement, je vous retourne cette question. Pourquoi vous avez quitté le gouvernement? Pourquoi la poser à des collègues alors que vous êtes en face de nous et vous étiez au gouvernement, Monsieur Villary, et vous avez été bien sûr le troisième personnage de l'État. Oui, madame, je suis tout à fait. J'avais une relation privilégiée même avec le président de la République sur le plan personnel que je connaissais avant. C'est pour ça que j'ai toujours parlé dans mes relations, à part la suite, qu'il y avait un problème d'éthique personnelle, que la politique n'enlève pas l'éthique que quelqu'un se donne, c'est bien pour la raison, et j'ai dit qu'il est évident que les choses, que la maladie c'est quelque chose de terrible, et en tant que professeur de médecine, je suis bien placé pour le savoir, est terrible, et la preuve, elle retentit même sur le cours de l'histoire d'un pays. Le président de la République malade, c'est plus du tout la même chose qu'un président de la République en bonne santé. Et j'ai quitté justement au bon moment, celui où c'était plus lui qui décidait seul et que les forces dites non constitutionnelles sont entrées en jeu, et j'ai émis au président de la République, président du parti, lui-même, mon refus d'accepter la nomination de M. Saïd Hané à la tête du FLN. Les ministres ne décidaient de rien. Je suis sorti pour cela. Alors, ils décidaient dans le cadre de mes successeurs investis, j'avoue que... Mais vous savez, c'est pas ça le problème. Dans un secteur, aucun secteur n'est totalement libre. Tout secteur est dépendant d'un autre. Vous pensez bien que peut faire le ministre le plus doué si au ministère des Finances, on ne suit pas, et s'il n'y a pas une véritable solidarité et une véritable conjonction des forces pour des objectifs définis. C'est ça c'est pour ça que je dis que ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a des possibilités, bien sûr, il y a des manœuvres de manœuvres. J'avoue que là où j'ai été ministre, j'ai été 5 fois ministre, ben, je n'ai jamais eu de problème dans ma mission de dire non, on ne me laisse pas faire. Quand je ne l'ai pas fait, c'est parce que la politique n'était pas cohérente et qu'il faut une correspondance entre les missions et qu'il y ait des actions pour un but unique. Et là, effectivement, quand il n'y a pas cette coordination qui est nécessaire, les compétences nécessaires, mais d'abord, vous ne pouvez rien faire d'autre. Alors, M. Abdelmadjid Tebboune parle de valoriser les compétences et on considère que les partis politiques, dans le contexte actuel, ont failli. Faut-il aller vers un gouvernement plutôt technocrate qu'un gouvernement politique? Ah oui, bien sûr. Moi, de ce côté-là, je n'ai aucun... Franchement, je pensais que la question ne se posait même pas. Un gouvernement technocrate chercher... Un gouvernement de compétences, qu'il y ait ça et là une coloration politique légère, parce que bon, je crois qu'il y a toujours quelque part une couleur politique à quelqu'un, même quand il est technocrate, mais je crois que l'essentiel, c'est un gouvernement de compétences, qu'elle est ou qu'elle n'est pas en plus une couleur politique, mais que la couleur politique soit secondaire. Non, je crois que tout le monde demande à ce qu'il y ait un gouvernement de compétences, c'est ce que, en tout cas, j'ai cru comprendre. Alors, des questions des auditeurs, Monsieur Abdelaziz Ziyari. Alors, aujourd'hui, si on se retrouve dans cette crise, c'est parce que personne n'a tenu compte un peu des premiers signes de la crise politique à commencer à connaître notre pays, à commencer par, bien sûr, la crise des résidents, qu'on a considérée comme étant facultative et on ne lui a pas donné un peu l'importance nécessaire. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question? Vous parlez des résidents dans le domaine de la santé, dans la médecine. Qui avait été en grève pratiquement pendant une année. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est l'un des grands problèmes récurrents, d'ailleurs. Vous savez, c'est quelque chose qui est récurrent. Parce que jusque-là, le problème de fond n'a pas été traité. Non pas que j'ignorais le problème de fond, puisque même quand j'ai... D'abord, pas mon métier, moi-même, parce que c'est une partie de ceux qui ont créé le résidentat comme diplôme. Et... quand j'étais même président de l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion de les recevoir, ce qui à l'époque n'avait pas beaucoup plu au ministre de la Santé qui a été sans plaindre au président de la République, mais je les ai reçus parce qu'ils me faisaient confiance, parce qu'ils savaient que je connaissais leurs problèmes,
Et j'ai dit qu'effectivement, le problème de fond, parce que le problème de fond, c'était celui de la répartition à travers le territoire national et de ces déserts médicaux, et que la solution pour les déserts médicaux n'est pas une solution facile, et que ce n'est pas simplement par de l'autorité qu'on puisse résoudre ce problème, c'est qu'il faut détacher. Moi, je l'ai dit et je le répète, je trouve que cette fonction publique uniforme, monocolore, qui touche tous les secteurs d'activité unique, qui ne se fait plus d'ailleurs par ailleurs, et qui devrait y avoir des fonctions publiques, 3-4 fonctions publiques, comme ça se fait dans un certain nombre de pays qui ont adopté ce système, et que la fonction hospitalière doit être une fonction particulière dans la santé publique. Et je ne parle pas des régimes spécifiques, hein, je parle une fonction publique hospitalière propre, comme il peut y avoir une autre fonction publique pour les collectivités locales et l'administration, etc. Ceux qui ont inventé la fonction publique ont compris que ça ne pouvait pas durer de cette manière, et ils ont éclaté la fonction publique, et nous on s'accroche parce que l'administration ne veut pas céder un pouce de terrain, ne veut pas céder un pouce de pouvoir. Ça, ce sont c'est là où on voit les éléments que chacun, là où il a un pouvoir, ne veut rien en céder. Pas du tout, c'est pour ça, et on ne pourra pas régler ce problème de la rémunération du corps médical tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là et qu'on en fait tous des soldats de la fonction publique. Alors tout le monde a droit au développement. Est-ce qu'il faut une répartition équitable du développement à travers tout le territoire national, en priorité certaines localités qui sont en rade aujourd'hui par rapport au développement? Oui, c'est vrai. Je dirais même que c'est un devoir national, c'est ça, la solidarité. Mais aussi que ce ne soit pas non plus des répartitions, je sais de quoi je parle, à caractère démagogique. Il faut donner à chaque pan du territoire ou chaque zone le développement sur lequel elle a des capacités et elle a des possibilités. Dans le développement, il n'y a pas d'égalitarisme. Voyez ce qui s'est passé en Chine, que le jour où ils ont dit, bon, nous allons permettre de développer les pôles qui ont toutes les conditions les mieux réunies, elles vont entraîner tout le reste dans le développement. Donc, chacun en fonction de ses capacités, de ses possibilités. Je crois que tout le monde a compris maintenant que si on veut avancer dans le développement et dans l'économie, il faut mettre un terme au populisme. Alors, où sont partis les 1 000 milliards de dinars et comment le Parlement a cautionné toutes ces dépenses de l'État ? Je ne veux pas rentrer dans ce type de polémique. Je n'ai pas le moyen et le temps maintenant d'acter. Mais bien sûr qu'il y a une énorme... C'est l'investissement public, madame, qui a fait marcher la machine algérienne depuis 20 ans. C'est l'investissement public, sinon nous aurions 20 millions de chômeurs aujourd'hui. Ça a été dépensé dans les infrastructures, ça a été dépensé dans les centres de santé, pas les grands CHU, c'est vrai, mais il y a des structures sanitaires à travers tout le pays, des universités à travers tout le pays, des aéroports, des chemins de fer, des gares, tout ça, c'est ça l'investissement public, c'est ça qui a donné du travail aux gens, c'est ça qui a permis au secteur public de s'enrichir, privé d'ailleurs de s'enrichir, bien, très bien, et parfois malheureusement, en en prenant un peu plus qu'il ne devrait, mais c'est l'investissement public. Donc c'est l'investissement public qui a été responsable de la corruption. Mais il faut de l'investissement public. Il faut simplement qu'il soit bien dépensé et que l'investissement public soit bien ciblé. Voilà ce qu'il faut faire. Alors le président de la République a demandé à bannir le terme Farhametoğlu. Est-ce que c'est une déclaration de rupture? Oui, je crois que c'est surtout symbolique, effectivement. Il veut montrer aujourd'hui le chef de l'État se rapproche de son peuple et que c'est pas une mauvaise chose. Franchement, je vous dis, c'est une... Enfin, ceci dit, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de mes collègues qui n'ont jamais utilisé ce terme pour leur rendre justice. Hein. Ni moi-même, ni Belkhadem, ni Yazid Zaloni, ni autres n'ont jamais utilisé
ce terme, nous savions très bien ce que nous faisions. Alors, M. Ziary, dernière question, est-ce que vous avez des ambitions politiques pour l'avenir? Pas du tout, madame. Je suis très bien dans ma retraite, j'en bénéficie. Je suis un observateur permanent de la vie politique. Je m'intéresserai jusqu'à ma mort de ce qui devient, de ce que devient mon pays, de ce que l'avenir de mon pays, etc. J'ai pas besoin pour cela. Je crois que j'ai fait une belle carrière, j'ai fait toutes mes responsabilités. Vous savez, mon père était déjà député à la Constituante, je crois que vous ne le savez pas. Mon propre père était membre de la Constituante après l'indépendance et fait partie de ceux qui ont fait la première Constitution algérienne. Et bien sûr, je suis fier de ça. Il faut assurer une alternance au pouvoir pour permettre à la génération post-indépendance de prendre les choses en main aujourd'hui, c'est important. Bien sûr, c'est important, bien entendu. Monsieur Abdelaziz Ziary, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous-même et j'espère que j'ai été utile. Merci.